Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, dans le ventre d'une forêt d'un vaste pays, vivaient un bûcheron et sa belle. Mais un jour, par un caprice du hasard, le bûcheron fut tué par un énorme tronc d'arbre. Dans sa colère, la belle brûla ses récoltes, maudit le Seigneur et s'enleva la vie. Le diable saisit aussitôt son âme au passage. La belle supplia le Seigneur à genoux de lui venir en aide. Mais il imposa ses conditions. Ton purgatoire sera cette maison. Dans 2880 jours, je serai obligé de donner ton âme au diable. À moins qu'un homme ne choisisse cette maison pour en faire sa demeure et y redonner vie. D'avoir tant marché. Un étranger qui passait devant cette maison devenue bicoque décida d'y déposer son pajot pour quelques nuitées.
Je vous ai coupé du bois. J'ai réparé votre chaise. Pourquoi restes-tu étranger? J'erre depuis longtemps. Ici, j'ai trouvé la paix. Je suis ni morte, ni vivante, ni jeune, ni vieille. Si tu veux rester, tu dois choisir. Soit je serai jeune et belle et ne ferai rien pour toi. Soit je serai vieille et travaillante et tu vivras comme un roi. J'aime cet endroit et je veux rester. Votre choix sera mien. Et c'est ainsi que le diable perdit une autre âme. La belle et l'étranger vécurent heureux des fruits de la terre et de leur amour. Pour se voir un étranger, ça colle le malheur. Surtout que c'est beau pis grand ici. Amenez-en de la compagnie.